Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit unboxing de la société OND Saving. Ils m'ont contacté le 22 juin et j'ai reçu le colis le 3 juillet. Donc 10 jours, parfait, rien à dire, nickel. Donc j'ai un point de croix et j'ai un petit objet à diamanter en diamant painting. Par contre, je vois que la toile imprimée, j'ai pas mis le prix et ni le papillon. J'essaierai de vous mettre les prix parce que je les ai pas notés sur mon cahier comme d'habitude. Donc voilà et voilà. Alors, on va commencer par le petit article en diamant painting. Vous connaissez mon amour pour les porte-clés. Je continue toujours. Petite collection de porte-clés. Je les ai trouvés magnifiques. J'avais hâte de voir les couleurs. Alors, ils sont en nombre de 5, il me semble. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est séparé. Ça dans un petit sachet et les diamants dans un petit sachet, ça c'est pas mal. On a les petites chaînettes et les mousquetons à part aussi également. Comme les tortues que j'avais eues, ce sont des petites chaînettes toutes fines. Par rapport aux autres chaînettes que j'ai eues aux chouettes, etc., elles sont un peu plus grosses. Voilà, on a toujours le petit pain de cire, la barquette verte et le stylet. On va regarder les jolis porte-clés à diamanter. Alors, où est le début? Où est la fin? Je vois pas bien. Ah si, c'est là. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Alors, c'est des porte-clés, pardon, papillon. Je voulais dire papillon porte-clés, voilà. Un peu en arc-en-ciel. Alors, je vous montre ce motif. Très, très bien imprimé. Rien à dire, recto verso. Et c'est en plexi, vous savez, un peu épais. Voilà, on a ce modèle-ci. On a ce modèle-ci. Ça va être des jolies couleurs, hein. Voilà, on a celui-ci. Ils sont très très bien imprimés. Celui-ci, c'est dans les mêmes styles. Ils vont être super jolis. Printanier, d'été, pour faire par exemple un petit cadeau pour la fête des mères ou la fête, ou pour les maîtresses en fin d'année, etc. Moi, je trouve que c'est un joli présent. Voilà, je vous les mets là pour que vous les voyez un peu plus. Ils sont magnifiques. Peut-être vous zoomer un peu. Voilà, on va regarder les diamants. Alors, le sachet, je vais les mettre là. Ça, je vais garder ça pour après. Ah, il y a des diamants en long comme mon hibou que j'ai eu. Je le vois tout de suite. Et c'est pour faire le cœur des papillons, je le vois. Vous savez, ceux-là. Comme dans mon hibou. Alors, on va commencer comme ça. Des dômes dorés. Ça, c'est des comme les becs que j'ai eu pour mes chouettes, là, avec le dos creux. Ceux-là également, des ronds rouges, des bleus, des yeux de chat fastés argentés. Et là, on arrive dans les strass classiques, pardon, du jaune, du orange, de l'argenté, du bleu, du violet, du noir classique. Le noir, il est tout le temps classique, j'ai remarqué. Le vert, du rose, très pâle, tirant un peu sur du rouge.
et du rose un peu fuchsia. Magnifique, hein. Non, mais ceux-là, ils vont être très très beaux, hein. Regardez. Ceux-là, là, ceux-là, là, ça va être très très beau. Ils vont être magnifiques. Alors, je vous essaierai de vous marquer le prix ici. De toute façon, les liens des articles, les liens de la boutique, tout ça, c'est en barre de description. Je ne sais pas si j'ai un code promo avec Wendy Céline, je ne m'en rappelle plus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un partenariat avec eux. Donc, je ne sais plus. Mais de toute façon, si j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre de description. Je vais enlever le zoom parce que j'ai l'impression que vous voyez flou. Ça m'agace. Voilà. Alors, on va remettre les petits porte-clés dans les petits sachets. C'est peut-être 5 euros, quelque chose comme ça. Je ne m'en rappelle plus. Je ne pourrais pas vous dire de bêtises. Et le deuxième article que j'ai choisi est un point de croix. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. De toute façon, vous allez voir, ça me correspond tout à fait. J'ouvre, je déballe et je vous reviens. Voilà, je vous ai évité un peu le bruit qui est très énervant. On a toujours le petit sachet, tout le kit avec nos 5 aiguilles, nos petites pompons, notre enfil aiguille et notre petite bags. Moi, j'aime beaucoup, c'est tout le kit. Et j'aime beaucoup les sachets, comme vous le savez. Alors, on va mettre les fils de côté. On a la petite présentation, comment faire du point de croix. Je vous l'explique plus, vous savez maintenant, hein. Et à chaque fois, ils le mettent dedans. Et nous avons le modèle. Alors, si l'image, on ne voit pas bien, je vais essayer de prendre ma tablette et vous faire voir l'image qu'on ne voit pas bien. Et le patron est tout crado pot. Je sais pas pourquoi en ce moment ils font beaucoup ça. Ils impriment les patrons et ils sont dégueulasses. Je vais le dire à la société, il faut faire attention. Enfin, c'est pas la société, c'est ceux qui impriment. En fait, je pense qu'ils doivent imprimer. Ils doivent fermer direct les feuilles. Il y a quelqu'un qui doit les plier, les mettre direct dans les sachets et regardez-moi dans les taxés. Enfin, vous ne voyez pas bien, mais franchement, c'est dégoûtant. Et on ne voit pas bien l'image. Alors, je vais prendre ma tablette. Ah, si vous voyez mieux que moi, là. C'est une jeune femme un peu féerique avec une tête de tigre magnifique. C'est une 11 CT, c'est une 50 par 50. Attendez, je vous prends ma tablette. Je vais essayer de trouver dans mes mails. Et ça se trouve, j'aurai les prix. Alors, attendez. Ouais, les patrons en ce moment, je sais pas pourquoi ils. Et je suis pas la seule à le dire. Je suis pas la seule. Mail. One Day Saving. C'est ici. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça va être ça. Non, c'est pas ça également. Bah, évidemment, je vais pas le retrouver. Ah si. Alors, je suis sur le site. Ah, c'est pas marqué. Alors, les porte-clés, ils sont à. Là, c'est marqué en dollars. Je vais traduire. Comme ça. Ils sont à 5,99 €. Je vous les montre. 5,99 €. Et par contre, je ne trouve plus la toile. Est-ce que je vais trouver la toile ?
Je me trompe pas, hein, c'est bien loin de ces vignes. Hein. Oui. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Non. Bah, je vous mets sur pause, je vais essayer de la trouver. Voilà, j'ai trouvé. Elle est au prix de 11,50 € et c'est ce modèle-ci. Non mais regardez-moi comme elle est magnifique. Moi quand j'ai vu cette toile, j'y allais pour moi. C'est une 11CT 50 par 50 et elle a 40 couleurs. Elle est magnifique. Est-ce qu'on va la voir d'un peu plus... Non. Est-ce qu'il y a un descriptif? Non. Après, ils disent les promotions. Mais franchement, elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je la trouve magnifique. Ouais, j'avais un budget de 15 $ à peu près. 20 $ peut-être. Voilà. Donc, c'est dommage. Donc, je vais écrire à la société pour leur dire que ça serait bien la prochaine fois qu'ils fassent attention à leur impression de patron, quoi. Parce que si on a un problème sur la toile, eh ben, hein, et puis ça va être confetti, Madame Vanessa. Ce qui est un peu logique. Pour avoir des détails, il faut que ça soit confetti. Mais elle va être magnifique. On voit bien la jeune femme, là. Et là, la tête de tigre. Et j'ai des flèches que je n'aime pas. J'en ai une, deux, trois. J'en ai trois. Du rouge, du vert, du violet. Par contre, l'impression de la toile est nickel. La toile est surjetée comme d'habitude. Je vous montre d'un peu plus près. Heureusement que les toiles sont super bien imprimées. Heureusement qu'on n'a pas un problème de décalage ou quoi que ce soit. Parce que là, pour voir vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Donc, je vais prendre une photo et puis j'enverrai à la société pour leur dire. Je leur ai déjà dit, je ne sais plus à quelle société j'ai déjà dit. Mais elle va être magnifique, cette toile. Magnifique, magnifique. Voilà, on va regarder les fils. Je fais le patron. Ouais, je sais pas pourquoi qu'il y a des patrons avec des petites images et d'autres patrons. Pourtant, ça a l'air d'être la même société, hein. La compagnie sans nom, comme on l'appelle. Et des autres avec la plus grande image. Moi, je préfère quand il y a la plus grande image, je vous avouerai. Je préfère. C'est pas évident. Voilà, je mets ça avec, je mets ça avec. On va regarder les petits fils maintenant. On a bien sûr beaucoup de 939. Oui, on a trois tresses. Tout ça, c'est pour le fond. On a une tresse de 37,50. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Voilà. Et bien sûr, hein, des couleurs foncées. De toute façon, la toile est très foncée. Donc, alors, je démêle un petit peu ce bazar. On a des bruns, du blanc crème. Voilà. Et voyons voir les coloris qu'on a sur la cartonnette. Dans les tons de gris, de bleu, tirant sur du vert clair. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Et là, on a encore des bleus, des gris, des marronnés. On a un peu de violet pour le contraste. Et là encore des bleus, gris et des marronnés. Magnifique. Magnifique, magnifique. Merci à Wendy Saving de m'avoir redonné leur confiance une nouvelle fois.
Je vais leur envoyer de toute façon un petit mail. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec mon petit diamant painting et ma petite toile en point de croix. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.